Et salut à tous, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War. On joue l'Égypte. Et on est dans la campagne Triumvirate. Comment c'est? Empire divin. Non. On est dans la campagne, je ne sais plus laquelle. En gros, l'Empire divisé. Ah, c'est ça, hein, il me semble. Non, bah non, Empire divisé, c'était en 400 et des poussières. Bon, et la campagne Triumvirate, voilà. Alors, on s'était laissé la dernière fois. Ah ouais, Pharlassus qui était tombé aux mains de. De. J'allais dire Poupon. Je sais pas pourquoi Poupon. Putain, ça s'arrange pas. On n'a pas la portée, c'est dommage, mais quel dommage. Donc, on va attaquer Pharlassus. Farsalus, c'est une bonne blague. C'était pas fait exprès. Les résolutions équilibrées, c'est là où on a le moins de pertes. Voilà, on reprend nos écuries. Ah, c'est dommage ça. Par contre, pas la portée pour l'aider. Et dans un tour il tombe. Ouais. Il s'est pris une dérouillée, je sais pas trop comment, mais il s'est pris une dérouillée. Bon bah, tant pis pour lui. J'ai envie de dire. Ah! Oui. On venait de prendre toute cette belle petite région là. Un peu plus de pertes que prévu. Ok. On va à la Caralis. Voilà, on va envoyer notre brave, à Constantia. Plus je me demande si au bout d'un moment ils vont pas bientôt mourir de faim, hein, parce que là je leur ai pris quand même toute la Sicile. Et il me semble que c'était leur région productrice de nourriture. Hein. Palmyre? Pourquoi j'ai plus d'armée à Palmyre? C'est pas là où je les ai emmenés à Dura et j'ai tout perdu bêtement? C'est pas impossible ça. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Hein. Ça me dit très beaucoup quelque chose, hein, si je puis dire. À remonter une armée. Voilà, hop. On devrait pouvoir se défendre. Je vais pas l'améliorer de suite, hein, on sait jamais si je la perds. Ce serait embêtant de. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont gagné. Ils ont gagné sans rien foutre. C'est magnifique, Fury, j'adore. C'est pas mal tout ça. On va voir comment ça se passe ici. Ça se passe très très bien. Très bien. Ah, peut-être falloir les marier bientôt. Hein. Allez, tu sais quoi. Voici le printemps des mariages. Ah, bienvenue. Ah bah. Décidément, encore bienvenue, toi. Ils sont tous promus, les généraux, c'est bien. Ils avaient tous un taf. Oh! Bien. Hop, on va l'emmener là du coup. Oui, j'ai oublié ça aussi. Voilà. On va terminer le tour là-dessus. Ah, Pompée! Ah, Pompée là, tu me déçois. C'est comme la partie E, par contre, s'ils m'attaquent pas à Palmyre, je ne comprends pas. Quoi? Bon. Bah écoutez, tant mieux, c'est que ça les intéresse pas. C'est bizarre quand même. Ah, et Paraden. C'est vrai que Paraden, faut que je les fasse tomber aussi. Ah ouais.
un double accord commercial dessus. Ymir. Ils sont où eux déjà? Mais non! Mais non! Mais protège ta maison! C'est pas vrai! Hein? Ah mais non! Ah, mais j'ai tellement pas vu ça, moi. Va vraiment falloir que j'aille les aider, hein. Purée. Ah, j'ai rien capté du tout. Ça apprendra à fermer les yeux. Bon, bah, je vais mener. Non, 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 je vais recruter ici une flotte, hein, en toute urgence. J'ai pas une flotte, non, qui se balade. Hop, voilà. Oui, si tu veux. Ça coûte cher! Oh, ça! Oula! Oh là là! Ah, ok. Bon, bah, amusez-vous, les gars. Hein, ça... Franchement, qu'ils fassent le siège de Palmyre, ça m'arrange. Hein. Ça leur fait perdre un temps monstre. Non, bon, on maintient le blocus. Hein. Et encore une ville Pergame. Ça va, état. On doit en avoir encore quelques-unes qui traînent de ci de là. Ah ouais, Paraden. C'est pas grave, c'est pas très très grave. Oula, il y a du monde là, il y a du généraux. Hein. Il y a du général, pardon. Oh, putain. Il y a du généraux, oui, du. Oh, ça sera pas mieux, hein. Ça s'améliore pas, hein, les choses. Hein. Ça on sait là. Voilà. Et on va faire un petit tout à fortifier. Bon, il va très certainement m'en kikiner, hein, pour parler poliment. Hein? C'est pas très grave. Faire double fortification, voilà, il ira sur celui qui veut. Mais je l'attends de pied. Je l'attends. Oh non, c'est pas vrai. Bon, bah non. Petit problème au niveau de la distance. Tac. Tac. On va faire de la bouffe. Hein. Je peux vous dire ici les gars. Va y avoir de la bouffe en Sicile. Hein. Ouh là là, ils sont. Hein, ils sont fat. Bon, les deux. C'est bizarre, j'achète un esclave de ma propre. Bon. On ne relèvera pas. Wouah! Quoi? Mais comment? Comment j'ai fait pour avoir une trésorerie négative? J'ai cassé le jeu. Faudra que je regarde le replay. Je suis trop fort. Je suis trop fort, les gars. Ouais, tu m'étonnes avec une trésorerie négative. Si là j'avais réussi, il y aurait un petit souci, hein. J'ai totalement oublié. J'ai totalement oublié mes troupes là qui sont en mer du côté de la Sardaigne. Oups. En même temps, c'est tellement espacé, c'est tellement éparpillé tout ça. C'est compliqué. Hein. Bon. C'est eux que j'ai oublié. Ouais, bah écoute bien.
Ouais, puis on va sortir l'armée terrestre. Waouh, sérieux? Pourquoi ça me met 20 tours? Soit. Enceinte sacrée d'Horus. Pas mal au niveau des bonus industrie. Hein. Allez, tac, tac, tac. Ah, mais non. À se calmer. Voilà, ici on a une flotte à recruter. Hein. Ok, il a réussi à rechoper sa ville, c'est déjà une bonne chose. Mais. Non, ça c'est bon. Bon, on va lui donner un coup de main, hein, qu'on sait jamais qu'il attaque lui. Attendez, attendez. Ah non, non, j'ai cru. Oh, j'ai eu les boules pour l'instant. Je me suis dû voir encore un autre glitch. Ça aurait été magique, hein. Deux d'affilée comme ça. Impeccable. Ici, ici, ici. Tac, je me rapproche. C'est con ce que je viens de faire. Ah, c'est très con. Je viens de perdre un tour. Ah, c'est. Ouais, c'est pas malin du tout. Bon. Je vais tricher, je vais rétablir. Hop, ça. Voilà, je vais mettre n'importe quoi, on s'en fiche. Et là, on m'a dit, il manquait juste les archers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ils iront avec lui. Hein. Ils se débrouilleront au tour d'après. Oui. Toi, tu vas aller là où tu vas. Merci. Merci beaucoup. Je suis philosophe avant tout. Je suis en Syracuse. Ouais, un de bonheur. Allez, parfait. Pas besoin de plus. Il a pas attaqué. Il faut vraiment qu'il arrête, lui. Hein. Il veut pas, il veut pas. Écoute, on va aller là-bas. C'est bien. S'il veut pas m'attaquer là, bah je prends ce qu'il y a, moi. Pas de problème. Hein. C'est pas mon avantage hein, de forcer le truc. Hein. Hop, stuk. Agricole, ouais, ça va être agraire ici. Hein. Ah ouais, là j'ai ma flotte, je pourrais en faire quelque chose, ce serait plus... Non, tu sais quoi, je vais aller embêter Antoine. Hein. Exactement, toutes les mains sur les rames. Ouais, c'était des petites flottes, m'inquiète pas plus que ça. Ouais, comme d'habitude, tu maintiens le blocus. Puis s'il attaque, bah c'est gratuit pour nous. Oh mais il y a Antoine, regardez! Bah attaque, je t'aiderai quand même, je suis pas un rat. Oh, ça c'est très bien. C'est très bien. En position fortifiée. Bon, il y a deux balistes là qui me cassent les bonbons, mais on a de la cavalerie. Donc qui dit on a de la cavalerie, dit les balistes vont... Bah, vont pas être très très efficaces à la fin. Donc simplement, je... un général là. Il me manque un général, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Ça me déconne. Bravo à ceux qui auront la ref. Hein, parce que c'était très mal fait. Alors dites-moi si vous avez la ref. Parce que là. Pas gagné, hop, hop. Ouais, s'ils ont un peu de cavalerie qui vont lancer là comme ça, tu sais quoi, hop, zut, comme ça, et hop, hop, zut, comme ça, hop, voilà. Ici, on va mettre des petits pièges. La cavalerie reste propre derrière. Les fronds, ah, bah, les frondeurs, super. J'ai rien acheté de mieux, moi. J'ai rien acheté de mieux que des frondeurs, les gars, purée. La honte.
Hop. On va mettre des piquets normaux ici. Et on prend les dégâts des catapultes, ouais, c'est ça, des balistes, catapultes, je ne sais plus ce qu'il a. Oh, capitaine. Ouais, ça peut être ça. Peut-être avancer un petit peu quand même les. Stinentolisos. Hop là. Voilà, on accélère tout ça. Comme ça, la cavalerie, elle nous fonce dessus. C'est très très bien. Dès que la cavalerie est mourue, comme on dit dans le jargon, on peut s'occuper du reste. Voilà. Ouais, ils sont bien. Tous sont les mêmes en mode card. T'as quelques levées, ouais, pas de soucis. Oula. Un peu plus, je faisais une bourde. Hein. Et pas qu'une petite. Hein. On accélère tout ça. Ah ouais, tu vois, en fait. On va leur dire eux là. Chut, tous là-dessus. Et vous, tous là-dessus. Ouais. Voilà. Ouh. C'est la tour qui a pris des dégâts, c'est pas grave. Oh, putain, j'ai cru qu'ils s'étaient pris une pierre. En fait, c'était un. Bah, c'était un buisson. Ah déjà, c'est pas vrai. Allez, on va envoyer mes piquets à l'inothorax là. Voilà, ça fera l'affaire. Sachant qu'ils sont arrivés au corps à corps. Sauf. Ah, il a bien tiré en vrai, hein, purée. Voilà, on tire là-bas. Les balistes à l'arrière, bah ça tombe, hein, c'est tranquillou. Allez, on les fait déplacer. Voilà, le feu à volonté, il leur fait très mal. Ils tiennent là-bas. Ouais. Hop, et là-bas on va les mettre derrière, ça va empêcher les. C'est pour empêcher au maximum les reconstitutions d'unités. Oh, ils vont se prendre une mitraille l'épaule. Si eux ils veulent bien arrêter de bouger, non. Bon, pas du tout, eh ben, c'est pas grave. On les fait sortir. Qu'est-ce qu'ils foutent? Non, mais n'importe quoi là. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, je sais pas ce qu'ils ont pris. L'opium, les gars, on vous l'a dit, c'est pas bon. Hop, allez, on se grouille. Voilà, on va vider toutes les munitions. Alors, je vais faire quelque chose avant. Non, j'ai si possible foutre le feu à ça là. Ils peuvent pas? Ah merde, avec eux. Donc là, je retire le mode feu à volonté pendant qu'il y aura mes unités tout simplement. Et eux, c'est quoi en fait? Eux, je vais les faire aller ici en pic. Voilà. Voilà, c'est efficace. On peut accélérer tout ça. Parfait, on passe au suivant. Parfait. Non, 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 c'est pas ça que je vais faire.
On va essayer de viser ce truc. Non, mais ça va au corps à corps, c'est ça qui part. C'est pas bon du tout. Hop, voilà, et là je mets comme ça, ça devrait être bon. Ah, ils ont mis feu, arrêtez! Bon. C'est pas grave, voilà, on fait ça comme ça. On va mettre notre cavalerie comme ça. Voilà, comme je dis, un objectif minimum de survivants. Voilà, et eux on les met là. Et on les met là. Bon, normalement ils sont censés ne pas y arriver par là. Bon, après ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ouf. Ouf. Ça, ça fait mal, hein. Même si c'est que des cailloux, ça fait mal les cailloux. Allez, on accélère. Continuez. Oh, c'est parfait les gars, regardez. Moi bon, j'ai pas l'impression que les piques fassent très très mal, c'est bizarre. Ouais, je vais arriver en retard, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Ouais, super les piques, hein. Purée. Oh là là, oh là là, oh là là, stop, 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 stop. Vous faites des dégâts plus qu'autre chose là. Il y a déjà les tours à flèche pour faire des conneries. Voilà, ça bouge plus. Pas très active cette tour à flèche. Hein. Voilà. C'est quand même beau, regardez ça. C'est magnifiquement, débilement beau. Bref, allez. On quitte la bataille. Belle victoire, moins de 100 pertes. Hein. Ouais, c'est tout de suite plus facile contre des artilleries quand t'as la cavalerie. Hop là, ça fait pas que du bien. Hein. Non, en plus il recrute de mercenaires, il a même pas confiance en son armée. C'est honteux, hein, c'est honteux. Ça joue Rome, c'est Pompée. C'est honteux. Hein. Ouais, c'est quand tu veux. Hein. Ah, voilà, enfin. C'est ce que j'attendais. Il a quoi? Il a un scorpion. Une baliste géante romaine. Ouais, mais c'est dans l'armée de renfort, donc elle pourra pas bouger. C'est juste parfait. Un petit peu de cavalerie, juste ce qu'il faut, pareil. Ah, d'accord, la Tarantine. Juste ce qu'il faut pour avoir des bonnes petites pertes sur le début. Ça me va, mais totalement. Ça me va, mais... Oh non! Mais non! Alors ça, c'est de la triche. Non, là, je... Non, non, non. Non, non, non. Ma position fortifiée, elle est où, là? Non, mais... Oh là là, c'est chiant. Bon. Il doit y avoir un passage à guet quelque part ici, ouais. Et un pont. Ouais, super, le pont, putain. C'est honteux, c'est honteux. En plus, il commence juste à côté du pont. Moi, il faut que je traverse tout ça. Ah, c'est doublement honteux. Ah, et pour finir sur la honte, j'ai pris des bretteurs. Mince. Bon. C'est pas gagné cette histoire. Hein. Et j'ai aucune idée de quel des deux côtés il va déployer en plus. Ouais. Bon bah moite-moite. Hein. Ouais, j'ai besoin de moins d'unités pour garder le pont. Donc, hop, je mets ça entre les deux. Ah ouais, j'ai des déployables, ouais, super. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse moi du déployable? C'est nul, c'est nul.
Je suis autrise. Bon. À votre commandement. En bas course. Nombreux sont ceux qui se sont battus avant de vous défendre. Ok, ils sont toutes là. Tous les ennemis sont par là. Très bien. Donc avec eux, je fais le tour. Et vous les gars, ça a l'air de venir du même point. Hop, pareil, revenez. Même principe. Je vais m'avancer plus, ça sert à rien. Le tast, le vest, le vest. Pas les faire courir de suite là-bas. Parce qu'il y a un peu de cavalerie. Et là, je vais quand même en garder deux unités juste pour garder le pont. Allez, par acquis de conscience, voilà, je n'ai pas besoin non plus de beaucoup, beaucoup d'unités. Est-ce que ça suffira à marche? Non, on sait jamais. Allez, la petite. Super, super ça. Ah putain. Ouais, eh bah grouille-toi, Bretteur Royal de Thorax, parce que là. Exactement, c'est exactement ce que je pensais. Putain, allez, allez, là, je sais que t'es là, toi. Intercepté. Voilà, c'est pas compliqué d'intercepter, non. Mais hop, reculez toi. Reculez toi, ouais. Petit problème entre singulier et pluriel. Ça me va. Toi tu vas aller juste là, voilà les éléphants c'est bien. T'as tout compris. Allez tout le monde sur les levesses là, je veux pas savoir. Ouais, ils vont prendre une petite salve de. Normalement ils vont prendre une petite salve. Voilà, comme il faut là. Hop, mur du bouclier, les gars. Alors, on ferme le mur ici. Hop, par arrière. Bah, il galère comme ça, ça là. Il galère vraiment à. Tu l'appelles Taster? Ouais, il galère vraiment. C'est pas une légende. Ah, bah, purée. Ah, la cavalerie Tarantine. Alors là, par contre, ouais, là, il faut plus que je tire sur la cavalerie Tarantine. Qui, là, est clairement plus proche de me faire des dégâts. Hein. Ouais, vous voyez. Là, on va resserrer les rangs ici. On va mettre une unité supplémentaire. Allez, cavalerie Tarantine, allez. Cavalerie, merci de leur trace. Ok, là, ils ont fait fuir leur premier groupe, c'est bien. Ici je vais traverser tranquillement. Je dis tranquillement. Ok, là, les traces là, la cavalerie trace et les Tarantines, c'est bien, ils tombent. Ils sont tombés, stop les feux. Stop le feu, je veux dire. Hop, mode garde. C'est bien, hop, on avance aussi ici. Ah, archer d'as. Faut regarder la munition pour les archer d'as. Projectile
Voilà, on arrête le feu. On les décale tous. Par où est-ce qu'ils vont tirer là? Non, on retire le feu, on tire, voilà, pas ici. Oh, c'est chiant ça aussi. C'est quoi ça? Légionnaire, hein. Ça traverse le pont, ça traverse bien le pont en plus, en or et tout, hein. C'est plutôt propre, hein. Ouais, les archers d'As, allez, hop, on envoie tout ce qu'on a, les gars. Mettre un peu la pression là quand même parce que pas l'air de faire grand chose, hein. Ah ouais, ils sont bien alignés comme il faut là, c'est parfait. Je suis obligé d'attendre les renforts en fait pour vraiment bien envoyer ma cavalerie et profiter à fond de leurs possibilités. Ok, c'est parfait. Hop, peltast, on change le feu. Ouais, là, les molosses mercenaires, je sais pas pourquoi ils veulent pas tirer de là, c'est pas grave. Bah, ils sont trop bas peut-être. Sacré dénivelé, hein, purée, il y a du courant ici. Hein. Du courant, hein, je dis bien courant. Voilà, parfait. Hop. Chaque mort, c'est deux chiens en moins. Oula, même plus. Oula, oui, même plus. Allez, on s'approche là, ici. On tire sur les vigiles. Hop. Viendez, et là. Hop, je peux leur dire de venir aussi. Stop. Ils ont fui. Ah ouais, ils ont fui. Ils ont fui comme il fallait. Hein. Hop, légionnaire. Tout sur les légionnaires ici. Et là, dès qu'il y a la portée sur lui, là, je mets tout, hein, sur un général. C'est gratuit. Hein. Parfait. On envoie tout. Hein. Ils ont beau être en formation dispersée, machin et tout. Là, rien à foutre. Ah bah j'ai envoyé ma cavalerie là sur le Scorpio. On va mettre trois éléphants là, hop, comme ça. Ils vont venir par la flotte et ils vont leur faire mal. Ah, ils sont en train de quoi? Allez, si ça a du mal. Eux ils servent plus à rien, à part d'un petit peu de morale de proximité. Voilà, ils sont maintenus, c'est très bien ça. Hein? Ah ouais? Ah oh, d'accord. Non. Voilà, chacun son... Bon, les scorpions, ils sont en contact. Ah, ils ont reconstitué les marchés d'As. C'est sur les éléphants et le général. Sur la première cohorte, ça devrait être pas mal. Voilà, on va pas aller dessus comme ça. Ouais, ça a divisé en deux là, fait chier. Parfait. Parfait, parfait. J'ai besoin de vous plus vite, les gars. Voilà. Là, ça fait bien mal comme il faut. Première cohorte tombe comme il faut aussi. Ce général, il a ses premières cohortes, elle tient, hein, en vrai. Tient même un peu trop bien à mon goût. Hein.
On va la charger, on va la finir. On va démolir leur morale avec une dernière charge. Voilà, le moral y en prend un coup, hein, je peux vous dire. Allez, ouais, exactement, chargé dans le tas. Ah, ils sont deux, ils tiennent, hein, c'est fou, hein, les mecs ils sont deux, ils sont en mode ouais, ouais c'est bon. On y croit, on y croit. Là ça attaque par l'arrière un peu là, j'aime pas. Allez, on va les aider. Absolument. Allez, on continue la charge là, pas de repos. Là. Voilà, là ça fait mal. Voilà, un bon petit coup moral, là, tout ça, ça fuit, on est à l'intérieur. Ah, on connaît la technique du marteau et de l'enclume. Hein? Mon enclume est un peu plus fragile, mais mon marteau est putain de costaud. C'est... Marteau, c'est des éléphants, c'est pas des chevaux. Hein. Voilà, chacun sa cavalerie, hein, après. Allez, même principe, on poursuit. Je veux pas de survivants. Allez, on peut accélérer maintenant. Voyez, ça clignote de partout, c'est magnifique. Hop, ça clignote beaucoup là. Oh, ça clignote plus. Voilà, hop, cela, qu'est-ce que tu fais toi? Alors, je vais juste arrêter le feu à volonté. J'ai des éléphants dans le tas, les gars, vous êtes fous. J'ai pas une unité là qui était censée y aller d'ailleurs. Ah, si, si, je crois qu'elle est bloquée en fait, c'est tout. Ah, il a reconstitué lui. Ah, zut. On va recharger un coup. Ah bah il a pu recharger. Enfin, il a pu reconstituer du coup. Voilà. Hop, toutes les unités au corps à corps, on les remet bien. Ah d'accord. Mais tu veux pas bouger, genre toi, à un moment je t'avais pas donné un ordre. Tu veux pas obéir aux ordres? C'est pareil ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il espère lui? Je sais pas ce qu'il espère. Lui. Hop. Pourquoi j'ai une tête carrée dans le tas? Je ne sais pas. Hop, on va y aller tranquillement. Ouais, le principe. Hein, s'il veut me courser, il va se trouver nez à nez avec mes unités corps à corps derrière. Voilà, je suis plus rapide que lui. Oh putain, il galère. Ouais, quand même, on a accéléré là. Allez, ces trois unités, je leur dis, taillez-vous. Ah mais c'est pour ça... Allez, on va charger dans le tas là. Là il a pris pas mal au niveau des dégâts. Allez, on retire le feu à volonté. Et une bonne petite charge par l'arrière, alors là, ça va le démolir. Hein. Oh purée. Ça démolit autant en unité qu'en morale. Hein. Voilà. C'est ça qu'on aime.
Hop, je pense que là il devrait être mort à son général. Bon, c'est une boucherie ici, hein, clairement. L'eau elle est. L'eau elle va avoir une petite couleur, hein, tu vois. 1000 victimes. Putain, mes éléphants ont fait à eux seuls 2300, 2417 victimes. Presque la moitié des victimes ennemies. Hein. C'est fou. C'est génial. C'est génialement fou. Voilà, il y a quelques unités. Ouais, bon, ça baliste, hein, forcément. Qu'ont survécu, mais pas grand-chose. Hein. Rassemblement des réserves, monseigneur. Là, Thessaloniki. Elle devrait tomber. Oh, il y a une flotte, regardez, vers Apollonia. Comme c'est étrange! Allez, partent. Ah, c'est pas vrai. Et c'est maintenant qu'ils décident de m'attaquer? C'est pas grave. Bon, on ramène la bataille sur le champ. Ça va être un peu compliqué, mais en vrai, ils ont une unité corps à corps, donc. Je suis pas sûr, vraiment, je suis pas sûr qu'ils puissent tomber, hein. Qu'ils puissent tomber ma ville, hein. Palmyre, il y avait un temple à Palmyre apparemment. Je sais pas ce que c'est ce truc, hein. Une sorte de pyramide chelou. Ouais, ils ont 3000 fois trop d'unités. Alors c'était où? C'était là. Ouais, t'avais des sortes de pyramides aztèques. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, si vous savez, dites-le moi aussi, pareil. Là, pour le coup, j'ai aucune idée de ce que c'est. Là, ils envoient qui? Bah, les lanciers, bah ouais. C'est ballot. Ils envoient leur lancier, hein, ils vont rien pouvoir faire. Hop! Oh, on met les piquets. Sur les bords, je mets mes frondeurs. Et ici, je mets. Ah. On va le décaler, lui, du coup. Voilà. Il y en a encore quelques-uns qui ont bougé sur là. C'est parti! Ah, j'ai pas oublié la populace. Ah, oh, ouais, si, la populace. Ouais, vas-y, la populace. Allez, on va changer. Pourquoi je peux pas là? Ah, ouais, il y a même plus la formation de piquet. Rien à foutre. C'est en mode, ouais, non, non. Essaye encore. Ouais. Ouais. Allez, décalé, je vais les mettre là-bas, les frondeurs. Avec leur bug qu'on leur connaît, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est ça, hein. Ils vont vouloir descendre, ils vont tomber face à face avec les piquets. Qui arrêtent pas de retirer leur formation phalange. C'est embêtant. Tu m'énerves. Voilà, eux, bah là, ils tombent nez à nez avec l'infanterie. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah voilà. Petite victoire en perspective. Là, le général, il fait le café. Hein. Regardez les morts qui pleuvent bon, ici. 47, 48, 50. 60. 70. Et qu'est-ce que. Ah, ils ont pris, hein, ils ont pris pas mal les dégâts, mine de rien derrière les murs. Ceux qui font bon, c'est eux. Payez votre salaire, mais. Ils doivent pas être très très bien payés. Hein. Ah zut. C'est pas grave. De toute façon, là, avec toutes mes unités derrière. Allez, vous avez bien fait le café là, vous. Voilà, descendez. Pardon, ils avaient tiré. Ah ouais, mais ils ont la vision avec les. Avec ces unités là. Ah, mais c'est pareil, pourquoi je perds toujours le.
Ah, y a un bug sur l'unité là, il y a un bug sur le jeu. Je vois pas le déplacement et je peux pas les mettre en phalange. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils passent par en haut pour aller en bas, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Oh là là! C'est compliqué là aujourd'hui, hein. Ah, ça prend en compte qu'ils vont en haut. Cette formation, les gars, s'il vous plaît. Ah non, c'est ça. C'est fou, c'est très buggé. On va mourir tranquillement, lui, hein. Fria Patus. Voilà. Faut fermer la porte, les gars, s'il vous plaît. Oh, mais il balance quand même des. Il balance des flambeaux sur une porte ouverte. Oh la vache. Ça me. Madre. Bref, quelques paires de notre côté, beaucoup plus du sien. Voilà, on n'hésite pas à tuer hein, aussi. Après tout, c'est lui qui a commencé. Un épisode très long aujourd'hui, hein, c'est pas voulu, hein, comme vous voyez, l'aléatoire des batailles fait que tout se passe en un tour, apparemment. Et bon, c'est quand même ici que je vais arrêter aujourd'hui, hein, faut pas déconner. Ça vous fait un épisode déjà assez long. Donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous propose de me retrouver demain pour le prochain épisode de Rome de Total War. J'espère que celui-ci vous aura plu. Allez, c'était Thiom. Ciao!